Ah, tu me diras, ah non, c'est l'automne, j'allais dire l'été. Ah, mais du coup, je me suis planté dans le titre du stream. Bon, c'est pas Ça fait grave. un magnifique. Vous avez compris que c'est pas l'été dans le stream, c'est Bien ça. l'automne. Hein. Mais change-le, après on va s'y perdre dans les VOD, nous. Je les édite à Partout chaque dans ton fois. contrôle. C'est quoi ça? C'est des cranberries, tu peux les ramasser. C'est des canneberges. Est-ce que les Canneberge, c'est canneberges, pas les on en a cranberries? besoin? Si, Non. canneberge, c'est le mot français pour cranberry, non? Cranberry, c'est Je sais les pas. RL. Ah, c'est les RL, merde, c'est pas pareil. Bon, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur de ramasser, c'est des fleurs? Bah, si tu peux ramasser, ramasse. Oh, c'est des roses féeries. Les roses J'ai féeries. jamais planté ça, moi. Mais dans le jardin? Ouais, je viens d'en ramasser. Je pense que c'était des graines mystères Ah, qu'on avait oui, c'est pris. possible, j'en avais planté, ouais. Et je savais pas ce que c'était, donc j'ai ramassé. J'aurais peut-être pas dû. J'ai Bonsoir, cliqué pour l'été, on me vend de l'eau. Oh, ça va, je vais éditer le. Oh, bon. Voilà. En fait, le jeu du dé, ils vont tous être vénères maintenant. Voilà. C'est C'est ça. l'automne. Ils vont les rêver. Y a pas un jeu de mots avec l'automne? Si, si. Où c'est qu'on peut trouver les poissons, les thons dans l'eau, donc l'automne. Voilà. C'est nul, hein. Ok. Tu te démerdes avec ça, je t'ai filé une idée. C'est toi qui réfléchis, pas moi. Je sais pas. Automne mobile. Oh non. Non, je mets juste c'est Mais ça, l'automne. ça Oui, on est une caravane. Suivant, suivant. Suivant. Mettre à Quel jour. enfoiré. Voilà. C'est à jour. Vous pouvez faire F5 et si vous n'êtes pas content, je vous mets de la pub. Vas-y, mets la pub. Pas Attends, content. il y avait. Pas content. Elros, je voulais juste avant de faire quoi que ce soit, il a une bonne référence du Roi Lion et je suis content du coup. Il ou elle d'ailleurs, je ne sais Autochtone. pas. Autochtone. Ah, il Non, était elle, plutôt. trahison en disgrâce. Ah, trahison, disgrâce, il n'est que Ils disgrâce ont. depuis sa naissance. Disgrâce. Il est à moitié satisfait, c'est un heal. Je suis à moitié satisfait. Il. Linus qui veut du champignon violet. Ah ben voilà, bon ben je fais demi-tour, moi. Oh là là. Y'a qui est perdu? Quoi? J'ai D'ailleurs, en perdu. parlant de ça, et très Qu'est-ce que tu sérieusement, veux? très sérieusement, il y a une personne que je suis sur depuis plusieurs années sur YouTube qui est Game Spectrum. C'est quelqu'un vraiment, il fait du super. Il elle fait du super travail et il y a quelques temps, il avait annoncé être non binaire. Et là, il y a quelques jours, a annoncé carrément une transition pour changer de sexe et ça m'a surpris en fait. Et du coup, pour l'afficher, pour vraiment le revendiquer, tout ça, je dis chapeau et du coup, chapeau à madame, parce que du coup, maintenant, ça va être madame. Et voilà. Donc, soutien et courage. Très bien. Et si jamais, Ça va allez être voir très les bien. travaux Game Spectrum, c'est super intéressant. C'est sur les rapports sociologiques aux jeux vidéo, super travail à chaque fois. Comme Elliot Page, ouais, mais Elliot Page, on s'en doutait quand même un petit peu. Oui. Vous me parlez de personnes que je ne connais pas. Alors, Game Spectrum, on en a beaucoup parlé il y a quelques temps sur Ivas. Ouais, En ce que ce mais. soit sur TS ou Discord, Je connais tout. c'est une des personnalités dont je fais souvent référence dans Radio Caravane et dont on se sert des travaux dans Radio Caravane pour faire amener au débat justement et avoir l'excuse du jeu vidéo derrière, bien entendu. Vous voulez faire quoi? Ah oui, aller au musée. J'aime bien les couleurs de l'automne dans le jeu. Moi j'aime bien les couleurs de l'automne, c'est beau en rougeoyant et tout. Je vais lancer Oh un mon dieu, tout énorme ce qu'on peut donner au musée, mais oui, alors en effet. Un train, alerte, un train. Ah vite, faut aller ramasser Vite. des cailloux là qu'ils nous ont envoyés la dernière fois. Surtout que Les tu mecs vois ils nous ont envoyé peut-être. des pierres, tellement ils nous aiment pas, tu sais.
Si vous voulez un truc coordonné dans le musée, c'est raté. Hein. Oh non. Ah, mais je vais t'obtenir plein de récompenses. Ah, tu vas être content. Vous avez une sculpture d'ours à récupérer au musée. Ouais, trop bien. Alors, Elros qui dit tout à l'heure, je vous entendais parler de l'agencement de votre ferme. Nino, c'est pour toi. Est-ce que vous avez un logiciel d'éditeur de map? Nino, c'est pour toi. Oui, tout à fait. Si tu tapes sur Google Stardew Planner, tu vas voir, il y a un site web très sympa pour faire des plans de ferme sur Stardew, justement. Vraiment, vraiment très cool. En gros, tu pars avec une ferme à vide et tu peux placer tous les bâtiments du jeu qui existent. Tu peux même voir les ranges, par exemple la range de l'épouvantail en action ou les arroseurs et tout pour bien agencer tes cueillettes, etc. C'est vraiment, vraiment sympa à faire. Moi, j'accroche beaucoup à être sur l'éditeur. En fait, je passe beaucoup plus de temps sur l'éditeur quand je joue bientôt. T'es là, alors attends, si je place mon bâtiment un centimètre. Mais tu peux choisir vraiment n'importe quelle map. En gros, il y a la map de la mer, la map de... Il y a toutes les maps, ainsi que l'intérieur des bâtiments. Tu peux aussi prévoir l'aménagement de l'intérieur de tes bâtiments. D'accord. Ah ouais, c'est poussé jusqu'au bout. Stardew Planner. Vous êtes allé au train du coup, je vous en entendais parler mais... Pas du tout. Je suis allé mais il n'y avait rien. Ouais non, je suis dessus, il n'y a pas... Et mettre des cailloux et... C'est pas rentable. Il y a toujours le panneau canard là. Canard. Merci Nino, dit-on dans le chat. Mais de rien. Et du coup, hop là, comme ça au moins Elros sera plus pratique. Hop là, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est bonheur, c'est mon bot. C'est le téléachat. Je dis, hey, t'as vu Taxi Driver? Non, j'ai pas vu Taxi Driver. Non, c'est une référence à la con. Oui, je me doute, mais j'ai pas vu Taxi Driver quand même. Oui. Rien, si vous entendez des choses bizarres, vous le dites. Alors, après le radiateur et la machine à laver, qu'est-ce que... La machine à café. Non. Ah, mince, raté. Un magnétoscope. Le chauffage. Non. Ah, je suis déçu. Bah, le radiateur, c'est un chauffage. Allô ? C'est oui. C'est pas allô, moi ? Je sais pas, j'ai trouvé un truc. Donc c'est pas les toilettes. Non, ça va. Étonnamment, ça fait pas de bruit, ça. Non, mais on parle d'électroménager, là. On parle pas de... Mais franchement, quand même, en dos. On parle pas de dame porcelaine, le ventilateur, la douche. What? Et tout ça en même temps, bien sûr. Hein. Et oui, tout en même temps, et puis les plombs, ils sautent, et puis... Bah ouais, hein. L'ordi, il meurt, la théière. Non, la théière ne fait pas de bruit. Par contre, la bouilloire peut en faire, cela dit. Mais elle en fera pas. Quelqu'un a vu mon amant? Ton amant? Oui, Super Saiyan. Ah, Super Saiyan, j'ai dit, mais attends, mais de qui il parle là? Non, je parle du jeu, la vie réelle. Ah, pardon, j'avais plus le mot. Pour quelqu'un qui nous a embêté tout à l'heure avec la canne et pas le canard, dire la théière à la place de la bouilloire. Ah, c'est terrible ça, par contre, c'est inadmissible. Ah, oh, non, mais c'est terrible, moi je. L'usage est complètement différent. Ah, besoin de me... Je vais vous les gamins. Chien, tu me... Pas ça là. Quoi? C'est joli, c'est quoi? C'est le Fayoum? Ah, il est là! Fayoum. Il est là! C'est quoi? C'est quoi? Voilà. Ah, mince, c'est vrai qu'on peut en donner que deux par semaine. C'est le sable? C'est ça que tu m'as dit? J'ai pêché du coup, tiens. Bon, je comprends pas ce que tu m'as dit. Bon, c'était pas le Alors. Fayoum, je suis très déçu. Est-ce que le chat peut, en dos, rechercher sur le Stardew Wiki français la clé des égouts, l'accès aux égouts? Parce que là, le musée commence à être bien rempli et Monsieur Gunter ne nous donne pas l'accès aux égouts. Et le panier du mur. Et le panier du mur, je voulais le trouver sans trop de spoil, mais du coup, allez-y, spoiler.
Pas forcément méga spoil, mais dire est-ce qu'on y a accès ou pas encore. Hein, oui. Ah, le panier du mur, ça va être un truc comme l'AHS de toute façon. Mais non, c'est fou, le panier du mur, il est dans le désert, et ça on le sait pas. Mais non, c'est une quête. Donc. La clé, c'est 60 objets donnés, il dit. 60 ? Oui. Ah ouais. On devrait s'en rapprocher. Ah, pas loin. Ah ouais. Bah du coup, je vais vous piquer tous les minerais et voir ce qu'il manque à mettre dans le musée. Parce que là, du coup, j'en ai déposé une quinzaine facile d'un coup. Hein. Ah ouais. Et le panier de mur, s'il vous plaît. Ah, me dites pas qu'il est à chez Trump. Elle rend sa vie qu'on a accès. Donc ça doit être planqué quelque part, mais on l'a pas vu encore. Très bien. J'ai pas regardé si aujourd'hui on pouvait faire des cadeaux ou si c'était reset ou pas. C'est le lundi le reset. Le lundi le reset. Ouais. Je suis preneur, Elros, oui, tout à fait. Que les gens nous aiment et que nous aiment, bon. Tout ça pour aller chercher le short chez Marnie. Bah Marnie, pareil, hein, je l'ai eu petit à petit, mais c'est encore plus lent à monter que Super Saiyan, quoi. Moi, j'ai un cœur, quoi. Je crois que j'ai un cœur aussi. Waouh. Je vais regarder ça. Attends, est-ce que les poules, elles sont couchées? Ah, les poules. Et le canard, ne l'oublie pas. Sam, j'ai 4 cœurs. Ouais, hein. Voilà, maintenant les poules, sont Marnie, j'ai 2 cœurs. Waouh. C'est quoi la case qui est à droite là? C'est non, c'est, pas celle-là. Il faut leur discuter une fois par jour, je crois. Et ils sont contents. Ah. Mais je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'était ça, mais je suis pas sûr. D'accord. Il est pas loin de la ferme, vous pouvez le voir en passant par le nord de votre ferme. Le chemin qui va vers la station thermale. J'arrive. Ah. Il est trop tard. Tu attendras demain. Non, mais je fais demi-tour là. Je suis, regarde. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Il va mourir. Oh là, il va mourir. C'est le poisson énervé, c'est le poisson SDF. Ah, mais le poisson il est tellement énervé, il me fait à gauche, à droite, en bas, à gauche, à droite. C'est soirée là. J'allais le dire. J'allais le dire. Ah, tu m'as fait tomber le poisson. Voilà. C'est l'ambiance. Indice pour le public, vroom vroom. Oh, il est chiant, oh, pas de... Putain, je l'ai. Je sais où ici, il est. Ici, en bas. Je l'ai. Il y a personne qui a regardé à part le chat, et du coup, je sais où il est. Du coup, je serai premier au panier de mur. Bah, c'est sûrement à côté. Je l'ai. Ah bah attends. Oh là, le lag. Ah oui, faut le crier, c'est le panier de mur. Quand tu l'as. Oui, ah, mais oui. C'est... Bah... Attends, j'y vais. J'y vais en premier. Juste pour que... Ah mais parce que t'as repéré où est-ce qu'il était? Non mais j'y vais demain. Hein. Hein. Genre le premier qui va arriver au panier de mur. Tellement énervé, tu sais. Ça va être la guerre. Attends, je m'en ma pêche du jour. Regarde. Voyons, ouais, je regarde, je prends un sirop d'érable pour voir combien ça se vend. C'est tout, on commence par aller. Oh non. Alors, je vous demanderai, dès que possible, un agrandissement de la maison parce que ça devient une brocante en fait. Hein. Ah, j'avoue là, c'est un vide maison que tu nous fais. Nino qui aime l'agencement, Nino ne rentre pas dans ma maison s'il te plaît. Hein. Nino, elle va péter un câble. Je rentre pas. Elle va une bombe. Elle va regarder la maison, elle va faire oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça, la télé, elle est en plein milieu. Je vais tout raser. Il y en a deux. Okay, attends, la mienne est pas mieux. Hein. Bah oui, il y a deux télés. C'est parce que comme ça, les deux ours, ils regardent la télé. Mais pourquoi tu vends pas les objets en double? Parce que ça se vend. Non, je crois qu'on peut pas. Oui. Mais la télé, ça se vend pas. Le billet doit se vendre. Ça sert à quoi d'avoir deux télés? Ah oui. Mais je peux te dire que... On a qui déteste les herbes qui poussent par-ci par-là. Ah oui. On a Nino qui veut tout ranger. On est bien. C'est le Fayoum. D'accord. Il était 2h pile quand j'ai cliqué. Ça sent pas mal le sirop d'érable, dis donc.
Ah oui, quand même. Ah, 200 l'unité. Ah ouais, c'est pas et mal. C'est, et c'est le classique, c'est même pas du goldé. Je sais pas s'il y a du goldé. C'est plus que la maillot. C'est bah, la il, maillot tout, est gold, tout est avec des étoiles, donc je pense que... Oui, c'est plus que la maillot. Ce qu'ils font, on en a plein. Attention.